because the race actually started. Yeah. I know, but there's no wind, so we can't go anywhere. Et voilà les dames qui sont avec moi dans le bateau. That's so frustrating for them. Les gentilles dames. Et puis ça, c'est tous les bateaux, je sais pas, qui viennent ou qui accompagnaient les bateaux aussi. Puisque là, c'est parti, donc il n'y a plus personne. Ben, ça va être long, hein, s'il n'y a pas de... 180 km à faire. Oui, mais ça va être long, hein. Parce que maintenant, ils ont peut-être plus les phoques comme avant, ou je sais pas trop, hein. Avec toutes ces nouvelles voiles. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc. Mais brusquement, ça peut démarrer. Hein. Ça, c'est le lac. Même ceux qui prévoient. Je vais en profiter pour parler un petit peu avec. Notre monsieur, tant que je me casse pas la gueule quand même. Avec Ernest? Avec Ernest. Voilà. Tu es normalement à la pêche. Ah, il pêche. Mais tu suis volontaire pour le départ du bol d'or. Voilà. Et vous faites depuis combien de temps de la pêche? Depuis 65 ans. Oh là là! Un bel âge. Bon, moi aussi, hein, j'ai le bel âge donc. Qu'est-ce que vous pêchez dans l'âge? Moi, je pêche. C'est à la truite, pas les filets de perche. Les perches, c'est plus tard. Les ombles, ombles chevaliers. Ah oui, j'adore. De la ferra, mais de la ferra à Genève, il n'y en a pratiquement plus. Il y en a plutôt... Cette année, il paraît qu'il y a beaucoup de perches. Il y a beaucoup de perches, mais pour le moment, elles sont petites. Elles ne sont pas grassouillettes. Alors, il faut attendre la fin d'été. Il faut attendre, hein, au mois d'août, elles sont plus jolies, plus grassouillettes. Alors, je profite d'aller à la truite. La truite, on arrive au bout. Sinon, après, je vais aux ombles. Les ongles, on les attrape à la traîne, en profondeur, entre 40 et 60 mètres de fond. Comme ça, vous savez tout sur la pêche dans voilà. Le lac, à Genève. Mais vous ne faites qu'à Genève ou vous allez un peu partout? Non, je fais partie du club de pêche en mer Genevois, ah. Où l'équipe de Suisse a fini championne du monde en 2007. Ah bon, voilà. Je dis toujours que les Suisses, dès qu'il y a un bateau, ils se défendent. Hein. Alors, je vais quand même montrer sur ce petit film les bateaux. La jeune femme qui est là, qui est pour moi très intéressante. Vous pouvez rappeler... Marie. Marie. Et vous faites quoi alors? Je travaille dans la communication. À Paris. À Paris. Voilà. Pour Mirabeau. Exactement. Exactement. J'ai enregistré dans ma tête, mais... Oh, c'est quand même beau, tous ces bateaux. C'est presque dommage qu'ils partent pas, hein, mais... Il y a un coin d'air. Rien. Eux, ils les suivent de bout en bout. Hein. Ah, les jaunes, là. Non, le... Ouais. Le bateau avec... voilà. Alors ça, c'est les commissaires de la course. On va se faire engueuler. On va se faire changer le pilote, s'il vous plaît. Parce qu'il n'est pas compétent, c'est possible? Alors, Ernest, il connaît, mais tout le monde. On a de la chance, hein. Ça dérange pas si je me mets à la traîne, là, un moment. Alors ça, c'est des gens sérieux, quand même. Ils vont aller jusqu'au bout, comme disait Ernest. Voilà mon beau bateau. Et puis tous les bateaux là-bas qui n'arrivent pas à partir. Mais là, il y en a un qui part plus vite.